du rap, des freestyles, des punchlines, c'est sur Mixtape by Traumatix. Je pars de niveau, je pars de rivaux. Je suis mal fort, man, et je domine la concurrence. C'est nom du rock sur le freestyle, bon négro, c'est que dessus y'a Dan Bob, ouais. Tous les samedis à partir de 18h sur Télé Africa. Hey yo, Mixtape by Traumatix. Sous le freestyle, bon négro, c'est que de Mixtape by Traumatix. C'est mon écho, je suis le soldat du hip-hop africain dans le monde. Arrivement, je fais une grève, ça fait un hit. Bienvenue sur Mixtape by Traumatix. Rappelle-moi, Rocco, à dispenser des cours de rap, faudrait que j'y sonde. Tous les samedis à partir de 17h sur Urban FM 104.5. Tchou, ok, KBO Chrome. Ok, ce soir j'suis d'attaque. On est éparpillé, il faut du papier. Tu fais pas prier pour oublier le date. Passe-moi le feu que j'engage le pète. Dans tous les quads c'est la même, le langage j'repète. En fait, j'vais représenter ma street et tous mes classes beat. Alors laisse couler l'instrumental que je gaspille. Pour ma zone 413, raconte ce qui ont vécu et les absences. J'suis le vétéran, je t'ai rien contesté du 4-3-D 4-0-0, casse tous les verrous, tu me reconnais. Le thème c'est le M-A-P-A-N-A. La reine c'est pas encore 5ème rue dans les PK. Le R.A.P. on a que ça comme accès au succès. Nos excès se succèdent à la matière. On expire, être expert, on explose, on expose. De devenir des expos, yeah. Déterminé, on est déterminé. Le terrain est miné, meilleur MC table et du Stéphine qui est nominé. C'est le 4-0-0. Incontesté, venez en contester. Monter en grade car c'était nos niveaux de rap qu'on a décelé. La concurrence est décédée. Avancer, on est décidé. On a des idées et du talent comme vous en désirez. Urban FM, la station urbaine, en streaming sur le site www.urbanfm.fm. L'émission c'est Mixtape by Traumatix. Tu nous regardes sur Télé Africa tous les samedis à partir de 18h, ça le fait. Un maximum de bruit s'il vous plaît. On est dans le PK comme d'habitude. C'est l'avant-dernier numéro. Tu le connais le truc. C'est 4 MC, un maître de cérémonie, un DJ, un public, un quat, un mapan. Et ça se passe dans le PK. Le premier du jour, il va arriver, c'était pas lui. Mais j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour ma main KVO, s'il vous plaît. Comment ça va, mon gars? Et là, ma bien, ça le fait. KLM. Tranquille. Yeah, tu es venu nous donner un petit truc avant de revenir sérieusement, y'a pas de problème. Tu rappes depuis combien de temps déjà? Ça fait des lunes, hein. Ça fait des... Yeah, man. Ça fait des lunes que t'es dans le truc. Et ça te fait plaisir, comment tu vois le truc aujourd'hui? En fait, le truc au KLM, man, mais il faut monter encore un peu. Yeah, le man, ouais, man. On rappelle que KVO, il a décidé, il a dit, Okos, tu parles pas pour commencer l'émission. Moi, je viens, je rap, c'est une émission de rap. Je sais pas pourquoi. Tu parles, tu nous présentes, mais nous, on veut rapper. Hey, il ne fait pas partie des 4 MC. Lui, il a dit, il commence l'émission. C'est sa manière de faire les choses. On va faire un maximum de bruit pour KVO. Yeah. Et lui, il prend l'instrumental de l'émission et il a gaspillé. KVO, je te laisse un autre truc, Ok. Yeah. Ok. Yeah. Ok. Ici on est high. Là je t'amène sans freestyle. Tu sais ici négro, on a besoin que les gars de taille. Demande à Syrocos, hip hop juste à l'os. Tu peux pas tester négro, on a ça dans le sang. C'est pas qu'en force, Manito ici on est là. Et c'est trop kinda. Tu sais que le truc c'est en direct des pétas. Le truc impeccable, elle t'étape, c'est 4 sur table. Tu peux pas tester Manito sur le beat, moi je déraille. C'est 4 sur FO, Mani, je représente mon floss. Tu peux pas tester Manito, c'est pas que je force. Kiffe le flow et tu me dis si c'est bon. Manito, tous les wack MC on les met au point. Merci d'avoir été avec nous, mon frère. Merci pour ce début d'émission très, très, très chaude. On raccompagne mon élément, s'il vous plaît. Du bruit pour lui. On a dit le principe de cette émission, elle est très simple. 4 MC, un maître de cérémonie, un DJ. T'as vu, aujourd'hui, on a commencé de manière différente. On va pas commencer sans faire une spéciale dédicace à toutes les personnes qui nous regardent via Télé Africa, toutes les personnes qui sont abonnées sur notre chaîne YouTube. J'aimerais qu'on fasse un maximum de DJ pour mon gars, parce que moi, j'évolue toujours en duo. Il s'appelle DJ Diz le Pharaon. Du bruit pour lui. Le premier MC du jour, il va arriver maintenant. Il a décidé de s'inscrire pour cet avant-dernier numéro.
Il est jeune, il aime le rap, il aime kicker. Et il a dit au Cos, moi je viens et je vais commencer cette émission avec vous. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit s'il est ready pour l'homme qu'on appelle Eboloco. Hey, du bruit pour Eboloco, s'il vous plaît. On applaudit jusqu'à ce que le MC arrive. Si. Ça fait ton âme. Ça va, frérot? On t'a micro, tu vas bien? Ça le fait. Merci d'être venu. Merci. On t'a pas dérangé? Tranquille? Tranquille. Ok, le principe de l'émission est simple, c'est 3 rounds. Je te prends le premier, je prends ta température, je prends ta note sur 10, je valide avec mes gars là derrière. Ok. Deuxième round, température, note sur 10, je valide à nouveau avec eux derrière. Et en plus derrière. Et le troisième round, même principe. Mais sauf que le troisième round, pour quitter d'ici, tu fracasses tout. Ok, d'accord, après ça le fait. Ça ton mic bien en face de toi, avance-toi un tout petit peu. Voilà, pour les auditeurs et pour les spectateurs. Il s'appelle Eboloco, c'est pour son premier round. DJ 10, c'est bon, ça le fait. Maximum de bruit pour le premier round du premier MC du day. Kick, Jay, Eboloco. Freestyle, Jay, 1. Ici c'est moi qui ai le brassard et je joue au Barça. Et ta meuf me fait la cour, t'es lui que j'aime pas ça. J'ai ma tête de Jagda, tu fais danser la salsa. J'rappelle, on est au Gabon, faut qu'on vous brasa. J'prends ma boule de cristal, million de monde à Christelle. Ne me dérange pas parce que là, c'est en freestyle. Ouais, j'crois qu'il y a plus de time, j'te balance des benchlines. Tu dis que t'es bon, mais face à moi, j'sais bataille. Hein? Ma mission c'est de vous démolir. Ouais, j'ai tellement vu, je n'ai craint plus au pire. Dans les moments durs, on garde le sourire. Meilleur à peur qu'à pour maintenant, l'avenir. Si un monstre en face à vous, je n'écris rien. Tu dis que c'est pas bon, pourtant je te plais bien. 17 ans déjà, un mauvais flow. Sur assis sur le trône, ouais, c'est moi le super héros. Inspiration qui coule comme de l'eau robinet. Moi je courais pendant ce temps, tu trottinais. Tu dormais et moi je priais. Je fais des grosses sommes, donc je travaille les gros billets. Ta note sur 10. 4 sur 10. Équipo. J'ai demandé sa note, il a dit 4 sur 10. Attendez, ça veut dire que ça va être violent après quand même. Du bruit pour Eboloco s'il vous plaît. DJ 10, le parent, c'est le genre de mission qu'on aime, t'as vu? On s'en va pour le deuxième round du MC, tu représentes quelle boîte? Chimie, deuxième round du genre. Tranquillement. DJ 10, le parent, deuxième round, il s'appelle Eboloco, remember the name? Du bruit pour lui! Ah oui, ah oui! Check! Eboloco! Yeah! Hey! Le parent, j'aime bien! Hey! Je respecte les boys de A.R. Check. Je ramène. C'est mon domaine. Pareil, tu me cherches. Je me promène. Tu calais dans mon tech. Je mange que du salami. Ne me fais jamais confiance, négro. Moi, c'est salami. Qui dit que tu trappes, mais quand tu rappes, tu MDR. Tu calais dans la zone avec les MDR. Il n'est jamais mal, sinon tu perds un bras. Qui va verra ce visage qui disparaîtra. Gang, c'est le début du commencement. Pour voir mon flow, il faut suivre un traitement. Faut qu'on ait pas la vitesse, on va nous faire ça doucement. J'ai la peine et elle crie comme à l'accouchement. Hey, ce disque, quand j'ai tu pues, t'es pas content. C'est la mise, ça va t'avoir, gang, j'aurai plus ton temps. Après la pluie, vient le beau temps. Comme le Congo en dit beauté, on le rap comme moi, sultan. Et moi, je viens pour te beauté. Gang, bruit, bruit. Aujourd'hui, on t'a dit tous les 17h samedi, avant-dernier numéro de Mixtape by Traumatix. La saison est en train de finir. Il s'appelle Eboloco. Reviens à côté de moi, ma mère. Si. Ta note sur 10. C'est 5 sur 10. Équipe 5 sur 10, c'est ça ou c'est pas ça?
Deuxième round du MC, c'est le premier du jour. Eh, tranquillement, on a commencé avec KBO qui nous a sali le terrain. Et là, Eboloko, il arrive, il dit je suis le premier MC des 4. Et je vais vous montrer ça tranquille. Ce sera très compliqué après, mais on va voir comment ça va se passer. Troisième et dernier round, tu es ready? Ouais, je suis ready, Tu es là ou tu laisses? Je suis là, je suis là. Ouais. Eh, j'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour Black Phoenix. Présent, Sissi, Rampi. Troisième round, DJ 10, le pharaon. On s'en va, Eboloko. Du bruit pour son troisième round. Du bruit, du bruit. Ah oui. Jamal Beats, holla at me. J'apprends mon quotidien. Au plat de vous montrer mes mauvais côtés, je préfère de vous montrer mon côté bien. On m'a dit, la vie n'est rien. Quand on chante le mal et le bien, et si tu ne renies jamais le tien, je sais quel état. Suis dans mes états, si on super saiyan 2 avec les corsages à la Vegeta. Quel état, fais du népotisme. À cette vie galère, qu'est-ce que j'ai au grand banditisme. Et la vie devient de plus en plus amère. J'affronte mes réalités, et personne pourra me faire taire. Suis abonné, suis fier de l'être. Et quand le bébé vient de mourir, c'est pour le pot qui vient de naître. C'est pour les mères, assises au marché, celles qui sont sous le soleil pour nous trouver de quoi manger. Et nos cœurs se remplissent de haine. Nous sommes tous gabonais car c'est le même temps qui coule dans nos veines. Soyons pas pessimistes. Y'a la vie, y'a de l'espoir, donc je suis en vie, je ne serai jamais triste. Ils oublient que nul n'est éternel. Ils nous font du mal, malheureusement, au Père éternel. Et la sentence sera lourde. Ils nous prennent pour des sous, ils font des promesses, des choses qui ne verront jamais le jour. L'Afrique est riche en matière première, au classement des continents. Pourquoi l'Afrique est toujours au début? Même ça te vient de moi, mon gars. Équipe 1, équipe 1, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Du bruit pour Eboloko, s'il vous plaît. Ton dernier round, ta dernière note, mon type. 7 sur 10, d'accord. Il était avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Tu rappes depuis combien de temps? Je rappe depuis très longtemps. Tu rappes depuis très longtemps? Depuis que j'ai 7 ans. 7 ans, depuis que j'ai 7 ans. Ah, il rappe depuis qu'il a 7 ans. Ça se voit. Ça se voit, hein? Ah, dis ça. Est-ce que tu as des trucs que tu prépares, man? Il n'y a rien que tu prépares ici à la maison. Tu es à la maison, tu fais rien. Donc on peut te rappeler pour rapper. Tranquille, tu seras dispo. Retenez son nom, c'est Eboloko. Merci d'être venu. Est-ce que tu peux saluer peut-être une personne à saluer? Vas-y. Ouais, si. Fracassé, et de t'envoyer mon grand ancien. Toujours Al, il est là, mon grand frère. Timiché, deuxième représente. On respecte le deuxième AR, ne viens jamais mal, sinon tu perds un bras. Yeah. Merci beaucoup, n'aime que le corsage à la Vegeta. Du bruit pour lui, mon gars. C'était le premier MC du day. Ta compagne s'appelle Eboloko, retiens le nom. Et le public, c'est confirmé? Ouais. D'accord, ça le fait. On va passer au deuxième MC du jour. Il va venir nous retrouver là. On a dit, c'est l'avant-dernier épisode de Mixtape by Chromatics. Bientôt la saison clôture. Donc là, on te ramène des gars qui sont bien et des gars qui sont lourds. On va faire venir maintenant ici sur notre petite terrasse hip-hop. Il s'appelle Authentic Lyricist. Faites un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. Authentic Lyricist, on t'attend mon gars, tranquillement. Eh, du bruit encore pour être. Ouais. Comment ça va, Authentic? On est là, tranquille. Tranquille, ça le fait? Ouais. Tiens, un peu regarder les kickers qui sont passés. Ça va? Ouais, super. Bon, le MC. Yeah, tranquillement. Ouais. Ok. Tu sais, le principe de cette émission, c'est aussi que si tu vois qu'il y a des gars. Tu sens que c'est pas bon, tu dis, bah écoute, moi je suis venu juste faire des big up à mes potos, et puis je me tire. Mais quand c'est toi, t'es authentique, lyriciste, c'est ton blaze, pourquoi t'as choisi ce blaze? Mets au pied, mate-moi. Tu es authentique? Et lyriciste. Si. Du bruit pour authentique, lyriciste. Moi, rentre pour toi. 1, note sur 10, température. 2e, note sur 10, température. 3e, tu gaspilles. Ok. Tu tues.
Okay. Tu montes. Okay. Ça va crescendo, c'est ça mixte by traumatique. Ça le fait. Ça le fait. Je te présente DJ Diz le pharaon. C'est lui qui a la cuisine pour te distiller du bon son. Ça le fait aussi. Ça le fait. Ça c'est mes juges là, ce sont mes gars sûrs qui sont derrière. Si. Pendant que toi tu kicks, si tu kicks sale, il trouve que c'est bon, il valide. Si tu kicks bon, il trouve que c'est sale, il dévalide. Direct. On va passer pour le premier round de Authentic Lyricist. Du bruit pour lui, DJ Diz Fuego. Ok. Renoir, je portais déjà ma casquette à l'envers avant que je gratte mes premiers textes. J'atterris dans l'arène, tu te fais éjecter du game. Tu veux caisser à coup de pelle quand ramassera Thérèse. Les Renoir entre se blessent, ils cherchent à trouver le bêche. Reste zen et honnête, le rap le tient en lèche. Reste zen, mais mon compète. C'est pour ça que je les stresse, je viens de loin, donc vise encore plus loin. J'ai pas toujours fait le bien, mais je fais de mon mieux pour les miens. T'es en travers du chemin, et bah c'est tant pis pour les tiens. Moi faut que je taffe, toi je vise le haut, que je fasse du cash en tant que bon négro. Que je sois brave, que je serre mes côtes, que chacune de mes fautes m'en évite d'autres. Ou pas que je finisse dans la fosse ou dans la sauce. Authentique lyriciste dans les PK, aujourd'hui c'est jeudi. La pression ne fait que monter, je suis en inspi. C'est pour les refrains, ceux qui sont ici, qui sont tiens le mouvement, la musique représente. De bruit pour son flow. On est ici, premier round. La famille, c'est ça ou c'est pas ça? Tranquille, note sur 10. 0,25. Oh, oh. Donc tu rejoins le pas complètement. J'ai entendu là, tranquille. Ouais. Ça le fait. Ouais. 0,25 sur 10. La dernière fois, il y a un MC qui a dit, moi je donne 5. Les gens disent, ouais, mais comment? Mais c'est aussi la note 0,25. C'est aussi une note sur 10. On va au deuxième round. Si. DJ Diz le pharaon est toujours avec nous. T'as l'opportunité d'aller t'abonner sur notre page YouTube pour regarder les épisodes de la troisième saison de Mixed by Traumatics. C'est Traumatics Hip Hop Gabona sur YouTube. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Si t'es un frangin authentique lyriciste. Qu'on va faire, on va à ton deuxième round, ouais. On va chercher le 0,25, ouais. On va essayer de mettre un 5 et plus quand même, ouais. Ça fait, ouais. La famille, deuxième round, oui ou non, ouais. Faites un maximum de bruit pour Authentic Lyricist, DJ Diz Fuego, okay. Ok, si, ok, CLT c'est pour tous les kiffeurs de musique, pop, rock, et rap, ça c'est mon domaine. Donc j'arrive. En mode killer, j'suis dans la place, ton négo vont jeter à terre. C'est déballage, faites en poche, mes lyrics vont te plaire. Le style, j'l'ai dans les veines, le peur, je sais le faire. J'donne un pour l'Afrique, ma terre, et deux pour les frères. Moi j'suis black comme du FK et j'suis tellement fier. J'suis un black streeter, ah oui, qu'est-ce tu peux faire? On se fait un clash ou un freestyle, dis-moi, qu'est-ce tu préfères? J'nique le STMC parce que la zik ici se tape le de stop. J'nique aussi les forts parce que j'pète la forme. Autant sur un beat pop que hip hop. Passe-moi un beat, mis Rihanna, je sortirai un kiss. Hit Gaboma et ça fait moi. J'fais du peur à même sur de l'underground. Face à moi, t'étais à plat avant la fin du premier round. J'arrive, j'te kiss, j'l'ai prise. Ta chérie et ta mère. Une en foot, toi t'es qui, toute façon. Viens faire un tour dans ma life, c'est good génération. Du bruit, on t'a dit que c'est pas ça, j'ai l'air du bon sang. DJ, poulo. Et applaudissements pour Authentic Lyricist. Il a un flow spécial. Si tu suis pas, tu peux te perdre. T'as vu? Note sur 10, deuxième round. 0,50. Ouais. Voilà, tu vois, on est monté de 25 de plus. Tu vois, c'était 0,25. Là, c'est 0,50. 30. La famille, c'est ça ou c'est pas ça? D'accord. Deuxième round. Tu représentes quel quartier? Les PK. Tous les gars des PK qui sont bien connectés sur Mixte by Traumatic, spécial dédicace à vous. Applaudissements pour les gars des PK. Et ils nous soutiennent depuis le début de cette émission, ils nous envoient des MC. Moi tu caches les MC dans ton quad. Ah ben tu vas dire tu rap. Voilà. Troisième round, dernier, toujours accompagné de ma nègre DJ Diz le pharaon. Si. Il t'envoie des sons depuis le haut de sa pyramide. Ouais. Ça descend, amorti, tu frappes. Ouais. Dernier round, tu gaspilles. Ouais. On va quand même à 1-1 quand même. Ok. Et du bruit pour Authentic Lyricist. On y va, fuego. Ok. Maintenant.
Mate ma gueule, j'suis un renoir assez foncé. Mate ma gueule, j'suis renoir qui va te défoncer. J'arrive, mettre tes points sur les i. Mettre tes pendules à l'heure, tu vois qu'ici, toi t'es pendu à l'heure. Donne celui-ci pour les parleurs, fuck les amateurs. C'est encore moi, Mr. Van Killer. Pareil que j'suis de couleur noire et j'ai toujours les yeux rouges. C'est pas de ma faute si j'ai le flow, la technique et les mots. En un mot, j'ai tout ce qu'il faut. Un puis vient du très haut et l'écriture c'est cabao. Là j'suis lancé à fond, je finis en inspi pour remercier tous les typés et la famille qui sont ici. C'est jeudi, si, si, c'est tranquille, le mouvement est spécy, donc on arrive easy. Mais c'est buzzy, quand on frappe fort. C'est pas du rap hardcore, on rap sur tous les styles. On n'est pas fort, mais on est prêt, et ça c'est depuis longtemps. On vise le haut, on vient de loin, si, si, c'est pour faire du mal. Et ça fait bra bra bra, authentique lyriciste, VK. Dernier round, ultime. Deuxième MC du jour. La famille, c'est ça ou c'est pas ça? Bien. Il a le flow, on te l'a dit, si tu suis pas, tu peux te perdre. Authentique lyriciste, troisième et dernière note. 0,15. Toi, tu aimes beaucoup 0. Non, c'est... Si, 0,75% de mes capacités. Tu vois le truc, quoi. Ça veut dire que tu n'es pas encore à 1%. Même pas un peu. D'accord. Ouais. Du bruit pour Authentique lyriciste. Ouais. Pas des trucs en préparation? Non, pour le moment, on est là, on essaie d'avancer un peu côté school parce que c'est chaud. Ouais. Mais le peur est là, c'est dans les veines, c'est dans le son, fait avec. Ça le fait. Mais on prépare quand même des trucs d'ici là, avec la grâce de Dieu. Ouais. Ok, t'as des personnes à saluer? Tout le monde. D'abord, tout le monde ici ce soir. Yes. Le staff, Urban Style. Yeah. On s'amuse comme ça, ça fait plaisir. Ça marche. Je salue tout le monde, mes pros d'abord qui sont là avec moi. Si, si. Ouais. Et je salue, je veux pas saluer quelqu'un parce qu'il y aura tellement d'oubliés. Alors, je salue tous ceux qui aiment, qui soutiennent, qui sont avec moi. Yes. Merci beaucoup à toi d'être venu, mon gars. Hey, applaudissements pour Authentique Lyriciste qui était avec nous. Mais je peux pas faire ça, il est là dans le public tranquille et il va pas parler, c'est pas possible ça. Je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour le papa du rap gangsta, man, Black Phoenix. Hey, Black Phoenix, tranquille, ça va ou quoi? On veut quand même entendre ta voix. Maximum respect à tous mes négros qui sont là. Mais faites un peu de bruit, c'est du rap ou quoi? Black Phoenix, ça va, tu vois les petits frères arriver au fur et à mesure. Toi, t'es là depuis le début de la compète, depuis le début de la troisième saison. Tu regardes, comment tu trouves ce genre d'initiative? Ah, ben ça, c'est costaud. Tu sais, ici, les mecs, les doigts coincés dans le derge, donc il n'y a jamais des trucs qui se passent. Tu vois un peu? Donc, quand quelque chose se passe, il faut que les mecs font du bruit. Vous êtes en train de blaguer, crier, c'est au PK! Confirmez. Faites du bruit pour les PK! Toi, tu es principalement un acteur, mais du gangsta rap. Ouais. Le gangster des Ngongsok. Gangster du pays des immortels. Ouais, pourquoi cette branche du rap? Pourquoi le gangsta rap? Le gangsta rap, c'est d'abord à cause de la simplicité des artistes, tu vois. Le gangsta rap, c'est une musique qui n'est pas... où les rappeurs ne mettent pas le paquet dans la salle, tu vois. Moi, je viens du Mapan, tu vois, Et quand tu veux faire le rap dans, vraiment, quand tu es dans le Mapan, tu n'as pas les moyens, tu vois. Même jusqu'au frein, tu n'as pas les freins du rap, tu vois. Pour t'offrir une vraie Nike, tu vois, c'est cher, tu peux pas t'offrir une vraie Nike. Mais quand tu regardes à la télé, tu regardes les New Yorkais, ils ont des bling bling, ils ont des survêtements de malades, ils ont des baskets, des Timberland. Tu te dis, le rap, c'est pas pour toi. Mais quand tu vas du côté de la West Coast, tu vois que le mec est simple, tickies, tu vois, all star. Ouais, tranquillement. Tu vois que le mec a des survêtements simples, mais le mec a du flow, tu te dis. Même sans les fringues, on peut rapper. Ouais. Tu vois, c'est pourquoi j'aime. Mais pas à poil. Pas à poil. Hein, tu peux aussi le faire en caleçon si tu as le flow, hein. Yes. Ah ouais, tranquillement. Donc c'est un peu ce complexe-là. Le rap, c'est toujours. À New York, il était toujours qualifié dans les fringues, les bling-bling. Mais quand il est arrivé à la West Coast, c'était des mecs, des lourds, des gangsters. Si, si. Des gangsters comme moi qui suis dans le Mapan. Ouais. Ah, je me suis senti plus concerné par le rap des LA. D'accord. Est-ce que tu penses que tu as des héritiers dans ce genre de rap ici au Gabon? Ben, un gangster, c'est l'héritage, mec. Je suis un tranquille. Gangster. Tous mes petits gangsters me suivent. Ils connaissent déjà ce que c'est le gangster rap au niveau de gang. Mais il faut faire attention. Ouais. C'est du gangster rap. Quand vous dites rap gangster, c'est autre chose. C'est du gangster rap. Gangsta. C'est de la musique.
pour des gangsters. D'accord. C'est pas des gangsters qui font de la musique, c'est de la musique pour eux. Ça c'est très fort, ah, ça. Ah ouais, ouais, attention. Du bruit pour Black Phoenix. Ah ouais, parce que un mec, il va écouter un son de Black Phoenix, si. Où je parle, j'illustre peut-être un braquage, il va aller braquer, il va dire, on va dire que oh, c'est parce qu'il a écouté un son de Black Phoenix, ouais. Ou un son de mon type Hoffman Lokayaman, si, ça si. N'a rien à voir avec ça. Yeah. C'est de la musique pour mettre à l'aise les gens qui sont dans la dure. Tranquille. La musique pour les mecs qui sont dans la dure. Quand tu es dans le ghetto, tu as besoin d'une musique. Ouais. Maintenant, il y a aussi la musique, le rap de ceux qui sont dans les clubs. Okay. Tu vois, eux, ils ont leur musique. Moi, je choisis la musique des durs, le gangsta rap. Gangsta rap, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup d'être là depuis le début. Merci à toi, parce qu'on sait que tu as toute une armée derrière toi. Tu as des personnes à saluer, Black Phoenix. Ouais, juste, je veux pas saluer les nègres. Je veux juste dire que allez-y télécharger la mixtape. Y a-t-il un nègre pour sauver la France? Elle est disponible sur G-Store Music, yeah. Un site de téléchargement de c'est musique. Combien de titres, la mixtape? Ah, c'est 25 titres, 25 freestyles pour ta gueule. Patate. Pour ta gueule, ma gueule, 25 freestyles. Non-stop, ma seule mixtape Gabona. Gabona, tu me play, ça ne s'arrête pas. Maximum respect à toi au Cosme. Maximum respect à le grand frère. Faites du bruit, Black Phoenix était avec nous. Tranquille, papa du gangsta rap, tu comprends, non? Voilà, c'est pas des gangsters qui font la zaïque, c'est de la zaïque pour les gangsters. Tranquille, DJ 10 le Pharaon est toujours avec moi. 17h sur Urban FM 104.5 tous les samedis. 18h à Télé Africa, c'est l'avant-dernier numéro. Tu vois, non, on est à l'avant-dernier épisode. Ça va le faire. On est en mode guest aujourd'hui. Ah, tu pensais que c'était... Non, on a des surprises, mon gars. On a des surprises. En mode guest aujourd'hui, on va recevoir un MC qui, lui, est dans le game depuis. Vous êtes nombreux peut-être à ne pas le connaître. Vous allez découvrir le MC et redécouvrir pour ceux qui le connaissent. Il a un gros background derrière lui. L'homme s'appelle Alert Franklin. Faites un maximum de bruit pour Alert Franklin, s'il vous plaît. Franklin. Yo, ma main. Comment ça va? Oh, ça va tranquille. Ça fait plaisir de te recevoir. Tu évolues un peu en mode fantôme dans le hip-hop, mais tu regardes, tu es présent, mais on peut te sentir, mais on te voit pratiquement pas. Ouais, c'est vrai que je suis dans le game depuis, moi je suis pas de cette génération. Ouais. Et puis, fait combien de temps déjà? Bon, ça fait très longtemps, moi je rappe, ça va surprendre des gens ici, mais moi je rappe depuis plus de 20 ans, depuis 21 ans, quelque chose comme ça, parce que j'ai commencé, j'avais 9 ans, tu vois un peu. Donc, mais en carrière officielle? Bah, j'ai commencé officiellement au studio Winnie. À l'époque, je pense qu'on est en 2006. Ouais. Voilà, j'ai fait sortir un single intitulé Seul. Voilà, extrait d'un maxi single intitulé Seul. On a fait quand même un petit bruit dans les radios, les TV et tout ça. Beaucoup de freestyle, des sound systems de AFJ, des Street Fighter, des beaucoup de choses. Beaucoup de collaborations aussi. Ouais. Et un long et un grand silence quand même. Ouais, il y a eu un grand silence. Bah, c'est vrai que j'ai arrêté ma musique à un moment donné. J'ai arrêté ma carrière à un moment donné à cause de ça. Parce que j'avais peur de revenir là-dessus. Ça avait fait un bruit dans les réseaux sociaux. Que j'étais en prison, etc. etc. Okay. Ouais. Bah, moi, j'avais arrêté parce que je voulais pas donner cette image de moi. Moi, j'ai toujours eu des textes à portée éducative et tout. Voilà, et la prison, ça fait peur à beaucoup de jeunes. Tu comprends un peu? Voilà, mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui va toujours me rattraper. Et voilà, je suis revenu dans le game et... Maintenant, on va en parler, quoi. Ton regard sur le game aujourd'hui? Le game a beaucoup changé, hein. C'est vrai, avant, le rap, c'était un rythme. Aujourd'hui, il y a la trap. Aujourd'hui, le rap, il est vraiment diversifié. Il y a l'afrobeat, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, le rap est vraiment diversifié. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment de la journée, tu peux écouter du rap selon ton humeur. Si tu veux écouter du rap bling-bling, il y a du rap bling-bling. Tu veux écouter du rap mélancolique, du rap hardcore, du rap gangsta, comme il a dit tout à l'heure, le grand. Voilà, le rap, ça va. Et toi, tu choisis quelle branche? Tu choisis quelle voie de ce rap? Ben, moi, je pense que quand on est un rappeur aujourd'hui, il faut faire le maximum d'être flexible. D'accord. Voilà. Moi, je suis surtout dans la poésie. Moi, je passe mon temps à écrire des textes, c'est vrai, mais tu peux me retrouver aussi sur des beats sur lesquels je me lâche, des trucs techniques. Il y a l'afro-trap qui est d'actualité en ce moment. Yeah. J'essaie de faire un peu de tout, mais je suis surtout dans la poésie. D'accord, voilà. Tranquille. C'est quoi l'actualité d'Alert Franklin maintenant? Ben, Dream, c'est un titre extra d'un album. Les gars, ils m'ont pas raté sur Facebook parce que c'est vrai que j'ai annoncé plusieurs dates. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que la musique, c'est difficile quand on fait dans l'auto-prod, en fait. Ça veut dire qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Mais quand même, d'ici décembre, l'album sera prêt. On a finalisé avec les mix et tout ça. Maintenant, il y a le clip de Dream qui tourne sur Urban FM en ce moment. Et puis, il y a une grosse collaboration avec le label Mapan Lifestyle. Déjà, grosse dédicace à Hoffman et Flo. Du bruit pour Mapan Lifestyle.
depuis le début. Donc il y a un titre aussi qui va sortir bientôt qui s'appelle N'aie pas peur de moi. Yeah. Justement pour revenir sur, sur mon histoire à moi, il y a des gens qui ont un regard souvent porté sur des gens sans pourtant les connaître à partir de ce qu'ils ont déjà entendu. Donc on a un titre qui va sortir d'ici, certainement clippé, restez bien câblé, en tout cas ce sera N'aie pas peur de moi. Il s'appelle Alerte Franklin, est-ce qu'on peut applaudir pour le MC? Qui Yes, I. DJ 10 de Pharaon, Franklin. Donc on retient que l'actualité, c'est Dream. Dream. Ça Dream. Tourne en ce moment sur Urban FM. Le clip, il est prêt. On va le lancer bientôt, avant les fêtes en tout cas. D'accord. Et là, il y a plein de collaborations, dont celle avec l'équipe du Marvan Lifestyle. Voilà. Au calme. Ça va le faire, mais toi tu peux pas partir comme ça aussi, tu vois, parce que ce serait trop facile, tu vois, non. DJ Diz le Pharaon est là avec nous, et il gère le truc, on va t'envoyer un son, et tu vas nous faire voir ce que tu vaux toujours en matière de rap. C'est bon, la famille c'est ça ou c'est pas ça? Eh, du bruit pour Alerte Franklin. Yeah. Viens demander moi-même. Yeah. Qui? Viens demander moi-même. Check. Ok. Yeah. Si tu m'aimes, laisse personne te parler de moi. Yeah. Tu veux des infos? Gars, viens me demander moi-même. Je connais la dure journée sans repas. Quand la mif n'a même pas de moyens. Un père alcoolique, une mère qui se bat. Comprends que la vie n'est pas moyenne. Hein? Je connais la street, même si je n'ai jamais poignardé. Toujours été strict, très loin du shit. Mon destin, je l'ai affronté. J'ai porté des chaînes, ma mère, cabinet d'instruction, je connais les barreaux. J'ai essayé l'évasion, demande au gardien, moi je voulais juste me barrer. Tu me prendras pour un carré. Après 2 ans, au mitin, ma vie, j'ai les carrés. Tous ceux en qui je croyais, à cette époque, le choc, comprendre qu'ils m'ont barré. Barré, c'est vrai qu'il y a des potes, mais il y a aussi des tarés. Tarés, tu crois qu'il y a des potes, mec, la plupart c'est des tarés. Oh. Yeah, si tu m'aimes, laisse personne te parler de moi. Jamais. Yeah, tu veux des infos, gars, viens me demander moi-même. Toujours. Yeah, si tu m'aimes, laisse personne te parler de moi. Non, check, hein, viens me demander moi-même. Moi-même, yeah, demande rien à Zal, viens me demander moi-même. Moi-même, yeah, demande rien à NetBee, viens me demander. Hein, tu m'as tant affiché sur internet, tu croyais que ma vie s'arrêterait net. Tu t'es trompé, je te le dis net. Écoute le nouveau son de Alerte. Tu croyais me nuire? T'es trop bête. Je suis resté obèse pour être honnête. Tu me vois et tu viens faire la courbette. Dans ta tête, y'a rien qui a tourné pour te taquiner. Je fais un dab, un de street indépendant, j'ai monté. On va faire tourner comme d'hab, mais on va le faire mieux que dans le passé. Tu me connais pas, non, idiot. Tu m'as juste écouté à la radio. Je fais mes premiers pas dans le micro, dans les locaux de Wimby Studio. Merci beaucoup à toi mon gars. Et juste un message, j'ai juste un message très important. Ça c'est un très bon concept. J'aime bien l'émission, c'est un très bon concept, mais ce serait bien de faire à chaque saison dans un quartier différent. Parce qu'il y en a qui ne savent pas où ça se passe, ou beaucoup n'ont pas l'argent, le taxi aussi, tu sais comment ça se passe. Voilà pourquoi on est directement chez eux, parce que si on est ailleurs eux aussi, ils n'auront pas l'argent du taxi, tu vois. Non, mais ce serait bien de penser à tout le monde quand même. Voilà. Ah. Alerte Franklin a été avec nous. Gros big up à Nazal, à NetBee, Industry Indépendant, Mapan Lifestyle, Urban FM. Big up. Voilà. Alerte Franklin, du bruit pour le MC. Les yeux et son 85, Urban FM, la station urbaine, mixte by Chromatique, c'est l'émission, on s'en va donc pour le troisième MC du jour. Il va venir avec nous, il va faire un boucan, il va cliquer sur notre petite terrasse hip-hop. Faites un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle M7, s'il vous plaît, M7, emmène-toi mon frère. Hurry up, hurry up. M7 est avec nous. Ton art, salut M7. Salut. Ça le va? Ça va. Tranquille? Tranquille. Ça le fait? Ça se fait. Tranquille. Ok. 3 rounds pour toi. Tu représentes quel quartier d'abord? Je représente Charbonnage, précisément le secteur d'Amboué. Faites du bruit pour les Charbots, s'il vous plaît. Du bruit pour les Charbonnages. J'ai l'impression que c'est le premier MC des Charbots qu'on reçoit. Là, tu vois. 3 rounds. Premier, tu cliques. Température, note sur 10. Le même truc pour le deuxième. Et le troisième, pareil. Mais tu gaspilles tout. Je suis pas seul sur cette émission, accompagné de DJ Diz de Pharaon, accompagné de mes gars derrière là, tout autour, parce que c'est eux qui valident du bruit pour eux. Et donc, tu
est validé par eux, par les auditeurs, les internautes et les téléspectateurs. C'est bon, ça rend pour le premier round, ça fait du bruit pour le premier round de M7, s'il vous plaît. Allez, fuego, fuego. Allez, PK, 7, ok. Mister M7 dans les cartes, c'est chaud. Hesh. Maman, ok. Ok. Yo, ouais, je balance la sauce, je balance le riz, je balance les rires, je balance les cartes. Les MC parlent, les MC touchent, je prends le flou, regarde, c'est comme la cartouche. Mister M7, ma balle life, style dans le game, regarde, on attaque. Peut-on de voir tous ces gars, tous ces MC qui diront que retard, je mène la contre-attaque. T'as parlé de PK? Tu as dit quatre lindos. On fait du rap devant les frangins. Regarde encore ici, je suis même le big boss. Tout pas que la vérité est conclue. Dans le rap encore, je viens pour conclure. Sirocos, en mode 241, où on vit encore pour exclure. Les ennemis du game dans le son, regarde encore ici, c'est la trajectoire. Moi je te marque un but à la CR ici, je marque la trajectoire. Ne dis pas que la vérité, dans son regard encore, je suis même endetté. On a pas le temps de voir tous les potos et les gars qui courent même que Kumo que t'es. Je balance la sauce dans le game et c'est pas mal. En pensant DJ Pharaon, regarde encore ici en face terminale. Ennemi du game devant les caméras, moi je porte ça. Ne galope pas, c'est Fallon qui a pris la caméra et de qui aime ça. Eh, du bruit, du bruit, M7, premier round. Eh, la famille. Faites un maximum de bruit pour M7, s'il vous plaît. Tu vois, il y a aussi des trucs dans le rap où tu rappes, tu prends une pause. Tu cherches la phase d'après. Tu prends une pause, tu piques, tranquille, comme il y a du soleil, tu vois, tout le monde est pas transpiré. Ah, 4 sur 10 4 4 sur 10, la famille, 4 sur 10, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Voilà, non, parce qu'en fait, s'il a 4 sur 10, tu vois, moi je demande, c'est ça ou c'est pas ça? Ça lui répond, oui, oui, il a effectivement 4 sur 10, donc c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça, genre il a plus ou il a moins? Il a moins, il a plus pour les autres. Ça marche. On va pour le deuxième round, M7 est avec nous. Level, level, level. Là, on s'en va quand même à combien sur 10? Ah, on va essayer de voir. Ok. DJ Diz le Pharaon, deuxième round, M7. Faites un maximum de bruit, de la force pour le deuxième round. Eh, hey, là-bas, faites du bruit un peu, là-bas. Voilà, voilà. Fuego. That's me, bug. Esh. Ok. Ma vie, j'ai compris l'exil. J'fais des rimes devant ces potos, ces tenues profil. Les gars me parlent et me disent que la vie est bizarre. Je n'ai pas le temps de voir tous les sorciers. Regarde encore, je vois comme un lézard. Mister M7 arrive ici, y'a traumatique, ici on traumatise. On n'a pas le temps de voir tous les potos, tous les sorciers. Regarde comme Jacques Métis. J'avais un peu le temps avec tous les ennemis. Depuis que j'ai commencé à faire un peu du son à Miami, je n'ai pas le temps de voir encore tous les ennemis qui seront toujours là pour dire encore qu'il y a trop de conneries. M7, bye bye dans les quartiers, dans le son. Regarde encore si à moitié, j'apporte un peu du faux devant tous les sorciers qui diront ici c'est mal parti. T'as pas le temps de voir les potes et les gars qui diront que la vie c'est ma porte, j'apporte un peu du son. Donc game encore ici, je transporte MD game dans le sens, c'est pas la vie. On fait des rimes, regarde Libreville, ce n'est pas Paris. Pharaon amène le beat ici comme en Égypte, champion d'Afrique, moi te dis que la vie, regarde, c'est comme l'Égypte. Yeah, yeah, deuxième round, note sur 10. 6. 6 sur 10, c'est ça ou c'est pas ça? Il est monté ou il est descendu? Ah, ça se passe dans le PK, ma part, lifestyle is in the house, c'est la chaleur autour. Tranquille, M7, c'était le deuxième round. Tu m'as dit on va essayer, mais tu nous prépares un truc pas... Pharaon, il nous a préparé un truc pas bien au deuxième round. On doit se venger un peu quand même. Ok. Troisième et dernier round du troisième MC Day. Sixième épisode, troisième saison, avant-dernier numéro. C'est aujourd'hui. Toujours dans les PK. On va pour le troisième, c'est bon? Ah, c'est bon. Ça le fait? Tranquille. Ah, M7. Faites un maximum de bruit pour M7 qui est ici au PK7. DJ Diz Fuego. Hey, je viens, mec, je veux voir les PK comme ça, les mains en l'air, tout le monde. C'est le PK7. Yes. Ok. C'est dangereux, M7 dangereux. Je prends le flow devant ses potos, regarde encore, c'est dangereux. Tu me dis la vie est belle, mais c'est bizarre. On fait du rap, regarde encore, je me cache pas dans un placard. Père niqué, pas à t'aider. Le son est dans la tête comme les doses qui font que paniquer. Moi je sors le flow depuis que tu dis que c'est là. La vie est tellement belle, mais je danse pas comme Simon Boula. Rappeur Kinda, dans le game Kinda. Je prends le beat encore
comme cette petite mannequine. J'ai pas le temps de voir les gars encore qui sont trop forts. Je fume encore de la marijuana en Jamaïcana. Si tu testes le son, ça vient pas du Bex. On fait du rap encore aussi à du shit au Bex. Moi j'suis en jean, basket, sexy, fusée. J'prends le feu, regarde ton pion, qui lance la fusée. Hey, du bruit, du bruit, du bruit. C'est le troisième rang de ma règle M7. Tranquille, et viens ici, tranquillement. Note sur 10. 5. L'équipe, vous validez le MC, oui ou non? Vous validez le MC, oui ou non? Tranquille, M7. C'était ton dernier round. Il y a des trucs qui se préparent de ton côté? Ah ouais, des trucs qui se préparent. Je suis en plein tournage de la sortie de la vidéo de mon son Dose Life qui passe un peu partout dans Libreville. Okay. Ouais. C'est un son qui parle un peu de ce phénomène de dose qu'on critique seulement et on veut un peu dire des choses qui se passent, donc je raconte un peu tout ça quoi. Okay. Voilà. C'est pas seulement dans la. Je n'encourage pas dedans, en fait dedans je conseille. D'accord. Voilà. Ça fait ça. T'as des personnes à saluer ici. Ouais. Les personnes à saluer, c'est la famille, c'est les frangins qui me soutiennent. Et aujourd'hui, même si je connais pas tous ceux qui sont là, je dis vraiment merci parce que les acclamations, vraiment, elles étaient fortes. Ok. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir invité, enfin d'avoir accepté l'invitation merci. Et d'avoir invité tout le monde. Déjà, merci. Faites un maximum de bruit pour M7 qui était avec nous. On s'en va pour le dernier MC du day. En tout cas, parmi les quatre. Lui, c'est le dernier aujourd'hui. Il vient sur notre tatami, sur notre petite terrasse hip-hop. Lui aussi vient représenter son secteur, il vient représenter ses gens. Il va venir là, ça le fait. Tu connais le principe de l'émission, samedi 17h sur Urban FM 104.5. 18h sur Télé Africa, rediffusion mercredi 16h. Si toi tu veux rapper, en fait c'est plus possible quoi. Pas ça, en fait tu t'es inscrit. Donc c'est l'avant-dernier numéro. Accepte seulement. Je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Killer One, s'il vous plaît. Hey, ramène-toi, du bruit pour lui, du bruit pour lui. Ton homme. Hey, les gars, vous êtes un peu froid. Faites du bruit pour One Killer. Si. Ça le fait? Ouais, ça le fait. Tranquille. Okay. Merci d'être là. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu nous viens de quel quartier? De Zengster. Tranquillement. Du bruit pour les gars de Zeng. Yeah, yeah. 3 rounds, tu connais le principe. Tu kicks, note sur 10, température. Deuxième, pareil. Troisième, la même chose. Okay. Et tu gaspilles tout parce que ce sera le dernier. Ok, au calme. Tu vois? Ouais, ça le fait. Ça le fait. Tu as aussi l'opportunité de nous dire après un round, c'est bon, je pense que là je suis allé trop loin. Ça va faire peur à tout le monde. Donc je zappe. Tu vois, okay, non? Okay. DJ dis le Pharaon, Disney du bon son. Pharaon, c'est bon? Vous êtes prêts? Toi, tu es prêt? Et toi, tu es prêt? Toi aussi, toi, tu es prête? Ok. Killer One, du bruit pour lui. First round, fuego. Yeah. Ah. One kill. Ça donne. Quand je prends le mic, je fais du sale et tu le sais. Type sur le beat, j'ai pas fini de faire le C. Ta sauce elle est bonne, mais il manque un peu de sel. Ta daronne veut un autographe et t'as servi un self. En face, j'y fais la gueule sur internet, ça me suit. J'aurais fait mieux que ça, mec, si j'étais encore ici. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Même toi, s'il va à l'usine. T'as rien à faire dans RAP, mec, retourne en cuisine. J'appelle garder mon calme. C'est tout mes styles, des punchs à deux balles, j'ai bouffé comme des steak frites. Face à moi, ils font pas toi. J'espère que ça me kiffe. T'es mon ta mauvaise haleine, que d'ici le terme pire. Je dépense pas, fait faire économiser. Ça fait combien de temps qu'ils sont sodomisés? Beaucoup se battent sur des futilités. Donc pas la place, donc pas d'utilité. On a plus peur de la mort, mais on frissonne tous. On fait ses corps. J'arrive pour une longévité. Tu me clashes, puis je sais même pas quitter. Nick et Dewar, qui c'est mon boulot. Les petits rappeurs ont des dents de lait. Quand je kick, ils sont dans de l'eau. Avec un accoutrement de Congolais. Ça joue les mignons, mais c'est plus que l'heure. Petit Flemmard se fait des puces et l'air. Son père est content, il laisse qui voulait. La preuve avec son fils, c'est un petit pété. Est-ce que les gars de Nzeng sont là? Est-ce que ça le fait? Tranquille. Yo. La famille, c'est ça ou c'est pas ça? Ok. Killer One est avec nous, dernier MC du day. On te l'a dit avant dernier numéro. Parce que le dernier numéro, ça va être sale ici. Faudra pas le rater, mais reste d'abord là. Note sur 10.
5. 5 sur 10. Température basse ou haute pour le premier? Basse. On va au deuxième round, donc tranquille. DJ Dizofara, deuxième round. The Killer One, ça le fait fuego. Du bruit pour Killer One, c'est le deuxième. Ah, J, Killer One, J, ça donne. Ah ah, Dexter représente. Ah, hey, check, ah, check, ah. Et un maximum de bruit pour lui, maximum de bruit, en force la famille. Les frangins m'ont touché des bons. Non, non, non. Chez nous, quand on le dit, tu finis pas bonqué. C'est comme ça, ça se passe au Gabon. La célébrité t'attire à des ennemis. À droite, dans le cœur, des raids tendus. Ah. Hey, je commençais à écrire, les frangins m'ont tous dit que j'étais bon. Le disque se le fut et MC je les bute. Et MC on les cuque, même si ex et crack. On est toujours dans le crack, affirmé, firmé. Même de l'herbe, on fait du rap, on fume du crack. Le rap est lourd, le rap est lourd. On est au Gabon, on fait ça depuis. Le rap est dans le sang, dans ma G5, on pue tous les beats. Hey, on rap pas ici à la kiff de beat. Tu skiffes le lyrisme, maintenant tu sais qu'on peut prendre le risque. Et le rap il est sale, killer il est hal. Toujours à kicker, normal je fais ça official. En fait sans freestyle, comme un impro. Après je rap trop, dans ma chute gang, j'suis un rappeur de tango. En fumé le tabac, toujours dans le wap. Ici dans le mic, en fait que buter tout le wap. Hey, le zik est lourd, le beat est lourd. Y'a pas de style, pas de style. On prend le micro dans le bingo. Vas-y, clic, clic, bingo. Toujours dans le ludo. Vas-y, je te peine à la place comme au ludo. Qu'est-ce qui se passe, des goûts, qu'est-ce qui se passe. On vient représenter Dexter, on est bien de la place. Du bruit, c'est le deuxième rang. Yeah, yeah, ça monte à 6. Ça monte à 6, ouais. Ça le fait. Urban FM 104.5, la station urbaine, en streaming sur le site www.urbanfm.fm. Va checker l'actualité sur le site www.traumatix.com. Va t'abonner sur la chaîne YouTube. C'est Traumatix Hip Hop Gabonais. Killer One représente Zeng. J'espère que tous les gars de Zeng qui sont là vont lâcher des commentaires, hein, parce qu'on sait que vous aimez le hip hop, c'est le 6ème. Dernier round. Tu casses tout, tu termines. C'est l'avant-dernier numéro de Mixtape by Traumatix. Donc c'est toi qui clôture ça, toi. Ok, ça ok. Le fait. Ça le fait, ça le fait. Tranquillement. Tranquille. On peut y aller. Ouais, c'est DJ Diz, le pharaon, est avec moi. On s'en va pour le dernier round de l'homme qu'on appelle Killer One. Faites un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. Ah! J, Killer, One, tout le monde les mains en l'air comme ça, pour chauffer le sang les gars. Hey, 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 ça dit, Killer il est allé, j'ai mes crises, je n'ai pas de tête, je bois des écrits, demande à qui si je prends pas de mérite, y'a que des jaloux, donc t'as te suite, tu fais de la musique, mais le flot diffère, le meilleur roi amnésique, le geste est somnifiant, ne suis pas le modèle, tu vas te bouffer, résiste à la poutade, je viens l'insister, tu viens de s'abattre sur le fer, tu parles de moi sans te taire, arrête ta nalette de merde. Je te fais un revenu mystère, où est le respect des grands, tous ces jeunes incohérents. Quand je rate, tu rentres en transe, même te font faire l'essence. À quoi ça sert de jouer les carrés si tu sais que t'es pas beau, ton flow contre le carré, listé sur un tableau, ils vont te courager à boire de cobolo. Ta santé c'est dégrade, ils vont tenir le dos, on est sur scène, t'es dans les gratins. Y'a pas de tête de perle, ouais, sur le sapin, le mat c'est rien. Même si le E4, consomme pas un gun, si tu bois la rigole, j'avoue que je suis juste. Et le juste, vide retourne riche, et ah, le tout riche, et ah, c'est notre riche, eh, killer et al, eh, frère qui sale dans le dingo. Le beat il est lourd, on doit le respecter, c'est trop gros. Le passe par le pédé, toujours au pédé, passe par le micro, micro, dingue dans le féré, normal la tête fêlée. Maman, j'suis trop salé, l'addition est salée, mais tu sais que t'as pas de salaire, hey, hey. On fait ça depuis, c'est des gangsters, représentant les wack, même si tout le monde les gangsters, ils finissent de carter, on est toujours pour les fous, tu parles de nous, on a un fucker. Du bruit pour un nègre, Killer One, du bruit pour lui, du bruit, du bruit, du bruit. Killer One. Mon gars, tu carbures à quoi toi? Il voulait plus, il voulait plus s'arrêter. Tranquillement. Il y a des trucs que tu prépares, tranquille. Ouais, ouais, il y a des trucs que je prépare. Je suis en ce moment en collaboration. Bon, je travaille avec Mister Amazing. Yeah. Et on a un concept qui est sorti. C'est, le truc, c'est Amazing, ça a fait un concept. Si. Ça concerne tous les rappeurs de tous les quartiers.
À ceux qui sont du talent, ceux qui sentent que sont des rappeurs chauds, ça se passe du côté de Texter. Le truc c'est le concept c'est Amazing Cypher Concept. Et il y a la pause du freestyle et il y a le shoot gratos en bypass. Tranquille, ouais. T'as des personnes à saluer ici là. Ouais, big up d'abord mon propre cran qui m'encourage tous les jours, Mister Amazing. Et je big up tout le cartel de Tang et tout le cartel des PK. Ouais, je dis merci. Tranquille, ouais. Merci beaucoup à toi, Killer One. Ok, merci. Merci d'être passé sur Mixtape by Traumatics. Du bruit pour le MC. Avant-dernier numéro, t'as compris que le truc est un peu spécial en ce moment. On a commencé avec du rap, on va terminer avec du rap. Tu vois le truc, lui, il est avec nous aujourd'hui. Il revient d'un grand et grand crew en ce moment. Tu connais le Mapan Lifestyle, tu connais le truc. Oui, non, tu connais pas. Tu vas connaître. Sixième numéro de Mixtape by Traumatics. Toujours accompagné de DJ Diz, le Pharaon. Et Pharaon, il va mettre un son tranquille pour l'homme qu'on appelle A14. Faites un maximum de bruit pour lui. Aujourd'hui, j'ai décidé A14. Que c'est toi qui anime à la fin de l'émission. Ça le fait, man. Tu vas bien? Tranquille? Tranquille, pas de problème. Ok. On va te distiller du son. On a commencé avec du beurre, tu vois, non? Normalement, au début, j'ai pas parlé. Normalement, à la fin, je dois pas parler aussi, tu vois. Donc, on se donne rendez-vous samedi prochain, lorsqu'il sera 17h sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et 18h sur Télé Africa. Je vous laisse avec mon frangin. Il va vous entretenir pendant quelques minutes. Et nous, on se voit prochainement. Mixtape by Traumatics. Du bruit pour A14. Du bruit. Fuego. Ok. Yeah. Ah. Yeah. Ah. Ah. C'est. Ah. Ok, bouge la tête aussi de la cadence. A14, je te parle, t'oblige à faire un pas de danse. J'ai le chant, j'ai la tendance dans mon guet. Toi, te reste, tu sais, une poussière de feu qui te fera bien lancer. Ce sens, c'est pour mes frères qui m'ont toujours soutenu. Cette capée, mon bouillon, ma balance, qui m'ont cru. Tu me testes, je te coule comme lance dans le fruit au Titanic. Un lit devant moi, quand tu sais que t'es pas de taille. Et Bibi, me voici avec un flot qui fout des papes. Des rimes, une hit, tu sais, hit, on va, qui vient prendre la première place. Et faire bouger les packs, j'ai la rage, les gars. Un animal sauvage qui t'aime, gueule. Oui, mais ton putain d'œsophage. Chose qui reste à faire, c'est de faire un putain de pas. De penser à ta vie, grâce d'une rime je t'élimine. A14, Predator, dans mon pays, Gaba, oh. T'as dit, t'as pas cru. T'as longtemps, moi je suis. Plus de voix, tu veux sous moi. A demander à ta mise. 1, 2, 3, sois les sous qu'elle met de verre. Ça prend un plaisir partagé au 7, 4, hôtel. Autonome de mes choix. J'ai choisi le rap avec la foi de prier. Me poser dans le jet. Tu peux plus me stopper. Destiné à briller. Au sommet de la colline de Colomboum. Merci du bruit pour A14. On se donne rendez-vous samedi prochain. Big up la famille, on est ensemble. C'était Mixtape by Traumatics. Yeah, let's go.